prophets, the word of God comes to the prophet. The Bible said so. I'm closing. I've just got a couple more comments here, so I want to pass, and then I'm going to cut off. Les prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. La Bible le dit. Maintenant, pour conclure, j'ai juste deux ou trois commentaires, plus ou moins, que je veux présenter, puis je vais m'arrêter. The word of the Lord come to the prophets. What come to the prophets? The word of the church came to the prophets. No. The word of the creed came to the prophets. No. The word of the Lord. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Qu'est-ce qui est venu aux prophètes? Est-ce la parole de l'Église qui est venue aux prophètes? Est-ce la parole d'un credo qui est venue aux prophètes? La parole du Seigneur. What was it? The prophet revealed the word of God. Yeah, see? That's prophets. Real prophets. Amen. Yeah. Now we got false prophets. We're getting to them just in a minute. Yeah. But the true prophet, the true word came to the true prophet. It couldn't be nothing else. Qu'est-ce que c'était? Le prophète révélait la parole de Dieu. Voyez, c'est ça des prophètes, de véritables prophètes. Maintenant, on a de faux prophètes. On va parler d'eux dans quelques minutes. Mais le vrai prophète, la vraie parole est venu au vrai prophète. Il n'aurait pas pu en être autrement. Now, a creed didn't come to the prophet. A denomination didn't come to the prophet. No. But the word of the Lord came to the prophet. All right. And he revealed it to the people. Amen. The true prophet had the true word. Alors, ce n'est pas un credo qui est venu au prophète. Ce n'est pas une dénomination qui est venue au prophète, non. Mais c'est la parole du Seigneur qui est venue au prophète. Et c'est lui qui l'a révélée au peuple. Le vrai prophète avait la vraie parole. How do you test a true prophet when he's got the true word? Amen. Then if it isn't a true word, it's got to be a false one. Amen. If it says something different from this word, and this word is God's word, let every prophet's word be a lie and God's word be true. Amen. Comment éprouver un vrai prophète? Quand il a la vraie parole. Donc, s'il ne s'agit pas d'une vraie parole, c'en est un faux, à coup sûr. S'il dit quelque chose de contraire à cette parole, et cette parole, c'est la parole de Dieu, que toute parole de prophète soit reconnue pour mensonge et que la parole de Dieu soit reconnue pour vérité. And if that word is coming from the prophet is the word of God, then he's a true prophet. Because the word come to the prophets. Amen. True prophet. Et si cette parole qui vient du prophète, c'est la parole de Dieu, il s'agit alors d'un vrai prophète. Parce que la parole vient au prophète, au vrai prophète. We've always had false ones. True prophets, the true word. False prophets, false word. Our creeds, our denominations. Join this, say this, believe this, do this. Il y en a toujours eu des faux. Les vrais prophètes, la vraie parole. Les faux prophètes, une fausse parole. Nos credos, nos dénominations. Adhérez à ceci, dites ceci, croyez ceci, faites ceci. But the true word comes to the true prophet and he tells you the true word. You follow that true word and you get a true experience of the word because the word is made flesh in you and you become God's son. Amen. Mais la vraie parole vient au vrai prophète et il vous annonce la vraie parole. Si vous suivez cette vraie parole, vous aurez une vraie expérience de la parole. Parce que la parole est faite chair en vous et vous devenez fils de Dieu. And the word of God is revolving right out of God into you because you are of his nature. His spirit is in you and you will do the works of God. Hallelujah. The Bible said so. Oh my. La parole de Dieu provient directement de Dieu pour entrer en vous. Parce que vous êtes de sa nature, son esprit est en vous. Et vous ferez les œuvres de Dieu. Alléluia! La Bible dit.
Oh là là. False prophets bring false words. What do? Have false sensations. False prophets keep enough of the true word to be false. They used to didn't do it, but the Bible said, you want to put out a scripture on that? 2 Timothy 3, see? Les faux prophètes apportent de fausses paroles. Que font-ils? Ils ont de fausses sensations. Les faux prophètes conservent juste assez de la vraie parole pour être faux. Autrefois, ils ne le faisaient pas. Mais la Bible dit, si vous voulez noter un passage de l'Écriture qui appuie ça, c'est 2 Timothée 3. Voyez? The false prophets has enough of the true word to make it false. Because the Bible said that they'd have a form of godliness. In order to have a form of godliness, they have to have some of it as truth. Les faux prophètes ont une quantité suffisante de vraies paroles pour fausser le tout. En effet, la Bible dit qu'ils auraient l'apparence de la piété. Pour avoir l'apparence de la piété, ils doivent en avoir une partie qui soit la vérité. A form of godliness, but deny the power thereof. The power of what? Make you straighten up. Amen. Be a different. Amen. Serve God. Not go to dances and things of the world the Bible condemns. Not cut your hair like false prophets say that. Amen. Don't make any difference. L'apparence de la piété, mais il renie ceux qui ont fait la force. La force de quoi? De vous amener à mettre votre vie en ordre, d'être différent, de servir Dieu, de ne pas aller dans des soirées dansantes et dans ces choses du monde que la Bible condamne, de ne pas vous couper les cheveux. Bon, voilà ce que les prophètes disent. Ça ne change rien, ça. Vous pouvez nous soumettre vos idées pour les prochaines vidéos en description. Et pour être informé des nouvelles vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt, mes chers frères et sœurs. Shalom.